Samedi 10 octobre 2020. Salutations pour toutes frères et sœurs, toutes amis, tout côté où trouvé ou nan nom Jésus-Christ. Côté qui pile loin on trouve là, côté qui non accessible on trouve là, côté tout monde capable de voir ou tendre avec facilité, non saluer non tout nan nom Jésus-Christ. Ou même qui c'est un ouvrier cap travaille dans le champ de Dieu, non saluer. Ou même tout qui est un simple frère sœur, non saluer. Et ou même qui pourquoi accepter Jésus, non saluer dans l'occasion ça. C'est très important, très 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 important pour chercher Jésus dans la voie. N'a pas prié, bon Dieu. Cher Seigneur, notre Maître, non présenter devant, cher Père, je dis encore pour grâce ou pour amour envers nous. Non, descend non bas parce qu'ils nous rendent compte, cher Seigneur, pas de monde qui capable être à gros collègue devant. Tout le monde qui peut pas être devant, c'est le monde qui reconnaît yo petit petit, cher Seigneur. Nous remercions pour grâce, nous remercions pour amour. Dans le moment ça, l'Éternel, papa, n'a pas demandé de verser grâce, de verser amour, de verser puissance dans la vie, non. Moi-même, serviteur pasteur Parmelis Jean Michelet avec toute famille non ce groupe Sabéose non la guenamon l'Éternel papa notre ami notre frère Boubé Aristide cher Seigneur au coulé non Dieu tout puissant pour avancement évangile loi et nous mandons l'Éternel papa toute barrière adversaire capable mettez cher Seigneur pour empêcher nos coller tête, nos craser barrière, parce que c'est Diob adversaire là, c'est mon qui unit pour craser, non la guerre l'amour avec toute madame ni petite li, maman ni Céleste li cam, et nous profiter de l'occasion pour la guerre c'est juste c'est Linda, non mon Dieu tout puissant à l'occasion ça, sœur et la sens ma l'axama non la guérina mon Dieu tout puissant à occasion ça et non la guérit toute l'autre frères et sœurs tout côté capable situé dans mon l'Éternel reprendre grâce ou Jean Emmanuel Dolé en mon Dieu tout puissant dans moment ça non la guérit également Dieu tout puissant dans mon l'Éternel papa sœur Valérie c'est Emmanuela et sœur Marjorie toute famille net non la gue nan mon frère Mackenzie cher Seigneur non la gue toute équipe moun sa yo nan mon et nous mandons notre Dieu notre bon sauveur répandre grâce ou dans la vie yo parce que nous rendre compte l'Éternel papa c'est ça qui bien yo disposé pour faire pour nous non la gue l'Éternel papa Solange Sylvestre ou connait problème difficulté la confronter et nous mandons l'Éternel faire intervention résoudre problème yo pour que nous capable bénir pour que nous capable glorifier non la gué dans moment ça également l'Éternel papa et nan men ou et sœur non et sœur Béatrice petit frère encore l'Éternel papa fou de problème fou de difficulté mais l'Éternel non connaît que c'est ou gain solution Dieu tout puissant non la gué et le jeune on dit Joseph nan mon l'Éternel maman ni ou connaît situation l'Éternel après mando chaque jour l'Éternel pour font travail de conscience dans les mêmes parce que la vue dans l'inconscience Dieu tout puissant papa nan non la gué nan mon l'Éternel papa frère ou ni parmi les séchés là l'Éternel Dieu tout puissant Dieu en Artex en Financial Service, non la guerre en amour. Et frère Kisnel, Nelson en amour. Et frère c'est Dieu, frère. Et frère c'est Aol Oris, frère c'est Béliad, non la guerre en amour. Dieu tout puissant à l'occasion ça. Et non la guerre l'Éternel, papa, tout frère et sœur, tout côté retrouvé, frère David, frère Béni, frère Samuel, et la famille gentille. Et toutes les branches Joseph, toutes les branches. Oris, toutes les branches Charles, toutes les branches et vers Dieu, dans la guerre tout le monde, au nom du sang versé de la croix. Oui, frères et sœurs, nous comptons pour nous tourner encore dans le même travail là. Et dans la dernière étude, nous avons fait, nous avons côté que Jésus-Christ après le vini. Normalement, c'est un prophétie qui devrait jouer un accomplissement après plusieurs siècles. Et les nous avons tenu compte, les livres Isaïe, écrit. Mais,
c'est une prophétie qui capé continuer puisque na prophétie ça nous ouais côté que Emmanuel pral venir pour retirer le monde tout peuple en bas toute douleur yo et la venir pour faire transformation pour voter la paix pour lui faire qu'il a le droit et la justice capable de respecter Jésus-Christ dans son jeu l'été passé dans la mort de prendre toute étape yo pour être capable de mettre nous en situation et en situation de ce genre. Alors nous dit merci, nous ouais tout côté que dans texte là nous te ouais comment il était traité et texte a été traité l'enfant Jésus qui était prendre naissance là, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous te gain chance pour nous te ouais tout bagaille ça yo. Et je dis à la frères et sœurs, n'a pas continuer normalement. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Donc une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Et n'oubliez pas, elle n'a pas les larmes là. Frères et sœurs, là, les noms remarqués, je dis le Seigneur envoie une parole à Jacob. Leur dit et à Jacob, ça veut dire les 12 tribus d'Israël. Elle tombe sur Israël. L'air de elle tombe sur Israël. Israël encore, c'est Jacob qui t'a porté non ça. Ça veut dire, Paul l'a tombé, joindre tous les enfants d'Israël, que l'Éternel voyait Paul. Et l'Éternel dit là, tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté. Alors, et Paul l'a brûlé, joindre toutes. Pour la brûlé jeune tout dit elle m'a brûlé jeune tout l'rivé chouen non côté noyé là tout le peuple en aura connaissance Éphraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté des briques sont tombées nous bâtirons en pierre de taille des sycomores ont été coupés nous les remplacerons par des cèdres. Alors ou connaît mon yo même y a fait depuis au monde on vivre un projet même mon qui couché sous cabane l'hôpital là depuis il gagne bon sens li sous lui la fait projet il gagne des réflexions qui a passé dans lui même qui les monde pas qu'à réfléchir c'est les monde là il perd du bon sens li. Si mon n'a pas du bon sens, il n'a pas réfléchi, il n'a pas bon bagaille qui a passé dans l'esprit. Mais toutefois, mon n'a lui-même, il a un bon sens, il a réfléchi, malgré les difficultés qu'il n'a pas habillé, et dans le verset 10, là, il a dit que, des briques sont tombées, ça a écrasé. Des bâtiments qui écrasaient, mais il a répété, là, nous bâtirons un, pierre de taille, ça veut dire sac écrasé, yo pral arranger yo pour faire est plus solide. Ça c'est moun ka pe parler et c'est un coup même Jean nous même nous ta pe parler cyclone et anon dit tremblement de terre t'est passé en Haïti mais après le fin passé tout le monde a dit bon qu'on y a là faut nous construire de façon plus solide et si on monde t'a passé côté pour t'a dit ouais débris c'est pas dans zone près même pour t'a dit ouais débris toute bagaille qui t'a crasé beaucoup plus bagaille encore qui t'en fait parce que son logique lié depuis qu'un côté monde a vivre frères et sœurs ou pas arrêter non vie stationnaire peut-être mon n'a doit pas faire progrès sur le plan spirituel mais l'a toujours chercher façon pour le débrouiller sur le plan matériel pour vivre des sycomores ont été coupés nous les remplacerons par des cèdres pieds bois qui étaient coupés oui et nous connaît les arbres c'est la vie mais pieds bois qui étaient coupés au qu'il y a là il y a remplacé par l'autre pieds bois qui est plus solide qui est plus utile et les on parler et de pieds bois ça yo là c'est la vie oui frères et sœurs mais ou tande yo dou là moun yo et dit qu'on pral remplacer pieds sycomore yo non pral remplacer par cèdre qui pieds bois qui plus important prendre napper poser des actions parce que ces perspectives c'est vision gain mais l'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retsin. Entendez, il amènera leurs ennemis. Vous comprenez ça, vous l'avez dit là?
projet de rétablissement yo gagnent, projet de refondation yo gagnent. L'Éternel a fait projet de refondation à tomber à l'eau. Raison, c'est parce que frères et sœurs, ils ont pas cru en bon Dieu. Des pour pas croire en bon Dieu, c'est malheur à pas tirer sur son logique lié pas grand sortir de là. Ou pas croire en bon Dieu, c'est malheur ou à pas tirer sur, mais leur croire en bon Dieu, c'est bénédiction, c'est bon bagage qui vient tomber sur. Donc là, n'entendez sa parole là dit là frères et sœurs, lui expliquer là que l'Éternel a pendant que eux même y a planifié, pendant qu'il a planifié, ça pour t'a régler, pendant qu'il a planifié bon bagaille pour y faire, mais l'Éternel montrer là que lui-même li pral manger, que lui-même li pral frapper, que lui-même li pral voyer ennemi sur yo parce que yo pas dans direction bon Dieu. Et frères et sœurs, n'a pas répété le temps qu'on a toujours dit, il pas gain monde qui pas dans direction bon Dieu pour bagaille marcher pour lui. Moun n'a pas gardé lui ouais on bagaille qu'a marcher de façon apparente, mais en réalité, le vivre loin de la face de Dieu, c'est attirer vers soi la malédiction, frères et sœurs. Donc pendant qu'il y a planifié pour rebâtir, rétablir un sac écrasé par ennemi, l'Éternel a voué ennemi encore sur eux parce que ils ont pas passé par le commencement. Par le commencement, par la bonne, c'est l'Éternel. Par l'Éternel pour passer. Si vous passez par l'Éternel, ah ouais, l'Éternel a dit bon, mais vous reconnaître dans la situation où il y a là, en même temps, mettre main avec eux. L'Éternel a dit m'a mettre main avec eux. Mes frères et sœurs, pour l'Éternel mettre main avec eux, son logique lié oui, faut venir devant l'Éternel. Mais s'il a planifié à faire eux quitter l'Éternel de côté, il a planifié avec eux. Alors là, c'est pour autant que yo pour aller bagarre la pape douce pour eux, c'est pour autant rendre compte qu'il a frappé normalement. C'est très important mes frères et sœurs que chaque monde qui vive, chaque monde qui sur la surface de la terre, qui compréhension au mené au non niveau, hein, compréhension au mené au non niveau pour qu'on ait monde pas gain nulle part, lui qui aller sans la présence de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans l'obéissance à la parole de Dieu. L'Éternel dit là dans verset 11 là, dans Isaïe chapitre 9, le verset 11, l'Éternel élèvera contre eux les ennemis des rétines. Il amènera leurs ennemis. Donc, pendant que yo même a planifié sans l'Éternel, eh bien l'Éternel tout a planifié côté que pour le voyer ennemi yo vinn sou yo, vinn tracasser yo, vinn craser yo parce que yo quitté sous de la via. L'Éternel qui se sous de la via, yo quitté sous de la via. En même sous quitté sous de la via, bagaille la va cap marcher bien pour comment se fait-il pour bagaille la marcher bien pour pendant sous de la via pour non quitter lui. Non, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux du tout. Alors frères et sœurs, parole la dit nous là dans verset 12, n'a reprend pour c'est dans Isaïe chapitre 9 verset 12. Et les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Frères et sœurs, tandis l'Éternel à l'est, lui voyait les Syriens à l'ouest. Li voyait les Philistins pour continuer dévorer, écraser, briser en Israël. Mais yo dou malgré tout ça, colère l'Éternel pas apaisé. Alors, au capable dit mais l'Éternel t'est fâché dans dernier degré, qui a pour l'Éternel a fait tout travail ça, yo le venir pour colère l'Éternel pas apaisé. En mais c'est pas là pour aller non, côté pour aller à frères, c'est très important. Côté pour aller à, c'est que pour coller l'Éternel apaisé, c'est vini pour venir en l'Éternel, c'est l'Éternel pour nan pied l'Éternel pour reler amré, c'est l'Éternel pour mande secours. Mais si yo pas fait ça, si yo pas venir nan pied l'Éternel pour mande l'Éternel secours, comment comprendre que l'Éternel va intervenir? Comment comprendre que l'Éternel va faire grâce? Comment comprendre que l'Éternel va porter des éléments de délivrance et de solution pour yo? Impossible, impossible. Condition sine qua non, nan, c'est là que yo attaché quoi dans l'Éternel, l'Éternel a fait des choses extraordinaires pour yo. Mais dans le cas contraire, ça yo comprendre nan, li pa privé comme ça.
Ça y a cherché à lui pas privé comme ça, il faut passer par l'Éternel nécessairement. Donc parole l'a dit là, les Syriens, les Philistins viennent pour venir sous eux toujours pour ravager eux, hein, pour mettre eux à nu, hein, et eux dou malgré tout, l'Éternel était en colère, gonflé toujours. Raison c'est que n'a problème, difficulté à peut confronter à yo pas vienne côté l'Éternel. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. C'est ça verset 13 là dit non là. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne cherche pas l'Éternel des armées. Voilà, c'est ça. Nous pas de arriver dans verset A même des étapes de ça. Surtout une bonne série de monde là qui a posé question. Des fois, il y a des bagailles non pour arriver là dans yo qui t'a posé question, ça vient influencer tout dans sens ça. Comprendre? Donc l'Éternel, frères et sœurs, là yo dit non, et l'Éternel pas, et puisque yo même yo pas décidé pour retourner, l'Éternel est en colère parce que c'est eux même qui pour besoin l'Éternel. Et la parole là dit là au verset 14, Isaïe chapitre 9 verset 14, on veut encore répéter pour aussi l'Éternel arrachera Israël la tête et la queue. Frères et sœurs, figure arracher la tête et la queue. Donc on est sinon prendre de façon littérale, leur couper tête en bête ou couper qu'elle, c'est la mort. Ah, mais ça veut dire, Israël, non, état côté que pour pays, Israël là, pas vaut rien. C'est squelette là, qui a tout campé, mais en réalité, pas gagné sérieux cap la donne parce que yo pas vivre pour l'Éternel, y a vivre en dehors de la volonté de Dieu. Alors c'est ça, l'Éternel coupe tête, dit coupe queue. Ah non, pas gagné vie. Pas gagné vie là, frères et sœurs. Si l'Éternel coupe tête, dit coupe queue, pas gagné vie là. La branche de palmier et le roseau en un seul jour, l'Éternel détruit tout net. En un seul jour, lui arracher Israël la tête d'Israël la tête et la queue et la branche de palmier et de roseau, ça qui fait honneur yo, ça qui fait base de résistance yo, hein, l'Éternel retire yo, ça qui fait base d'espérance yo, d'espoir yo, l'Éternel retire yo. Pour qui ça? Parce que yo pas tourné joindre l'Éternel. Frères et sœurs, non, ouais, que nous-mêmes, haïtiens, qui peut vivre, non, situation lamentable chaque jour. Comme nous toujours dit, les raisons simples, c'est parce que c'est pas un peuple qui croit dans l'Éternel, qui a cherché l'Éternel. Malgré tout, pour quelques graines qui a servi l'Éternel, là, alors, l'aime dit quelques graines, là, comme ça m'a dit, parce que nous-mêmes, nous pas parlé de la foule. La foule, en réalité, que nous, qui a monté, descendre dans l'église, c'est pas monde qui a servi bon Dieu, c'est monde qui vient de façon routinière à l'intérieur de l'église. Ça veut dire, ils viennent parce qu'ils sont habitués, ils viennent parce qu'ils ont un temps, ils viennent à l'église, mais en réalité, ce ne sont pas des gens de l'Éternel. Donc là, texte là fait non là et le fait que frères et sœurs, tout ça l'Éternel dit, dit pas quitter non, non et ouais la banon explication. Sous elle t'a dit encore là, le baba explication comme son Paul y habitué dit déjà, dit qu'on est que non comprendre ni. Autant de là, qui est-ce de considérer comme la tête? Il dit l'ancien et le magistrat. Ça veut dire, non son j'aime de parler non de ancien dans l'étude biblique, de expliquer non comment ancien a gain importance. Et chaque lè ou gon bagay pour régler ou faire appel à ancien, les Moïse gain pour l'aller, eh bien, les a oublié faire appel avec tout ancien, yo, avec chef, yo, dans le pays, ya. Et Moïse, dit, mon cher, moi, pour aller, c'est nous-mêmes qui parlons avec Josué, rester avec Josué, rester dans l'obéissance, et tout ça qui mérite fait pour nous là, pour nous assister là. Alors là, frères et sœurs, yo voulez montrer, dans verset 4, 15 là, que même ancien yo déraillé. Yo dit l'ancien et le magistrat. Ancien magistrat, c'est chef, c'est juge qui là pour discuter sur ce kayo. Mais yo dit que tout le monde sa yo, et ancien magistrat, c'est lui qui représente la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Tout le monde sa yo a été détruit.
L'Éternel a crasé yo parce que yo pas fait la volonté de Dieu, yo pas fait grandir le nom du Seigneur parmi population là. Mais l'Éternel a pris des décisions contre yo. L'ancien et le magistrat c'est la tête et le prophète qui enseigne le mensonge c'est la queue. Frères et sœurs, donc on est tous les deux entités ça on dit là, c'est alors toi-même, ce sont des entités honorables. Les anciens respectent titre ancienne. Les magistrats, les juges respectent fonction de remplir. Les prophètes, d'ailleurs, dit prophète là, c'est la bouche de l'Éternel. Les prophètes là sont prophètes bon Dieu, liés cap marcher selon la parole de Dieu. Ça veut dire un paquet de bagailles. Mais les ont écarté tout de la voix de Dieu, frères et sœurs, pas caché des doux, ils ont pas représenté rien, et l'Éternel gardé comme balayu, comme fatra, un moment de temps, ils ont disparaître. Là, c'est ça même, ils ont dit non là. Si peuple a marché dans fer noir, qui est-ce qui pour diriger peuple là? Qui est-ce qui pour éclairer? Par exemple, on y a là, n'a vivre dans un monde qui a fonctionné mal là. N'est-ce pas les serviteurs de l'Éternel qui pour tout côté qui a prêché l'évangile là, parler, c'est ça que fait moi-même m'a travaillé là qu'on y a. C'est ça que fait pasteur Amel la fleur travail. C'est ça que fait gain Marcel, pasteur Marcelo et à travail. C'est ça que fait grand pilote encore cap travail parce que au moment où bagaille a vienne plus complexe là, faut que l'évangile là continue prêcher, faut que j'ai monde continue à ouvert. Alors que ça qui placé pour faire ça, yo même yo dans mensonge, hein, yo dans mensonge, yo dans mauvaise voie, mais c'est malédiction qui a attiré sous yo, qui a attiré sous pays là. Frères et sœurs, ça n'a dit ou qu'on aime bien ou qu'on est grand pile tout là. Chef religieux non gain dans pays là. Moun sa ou, c'est sous dernier jour, moi-même pasteur Parmelus, me prend charge pour me dire ça. Moun sa ou, c'est sous dernier jour, parce que yo fait critiquer l'évangile la trop, yo fait trop mauvais actes, yo intéressé trop avec les richesses, et yo éloigné yo chaque jour de l'Éternel. L'Éternel pas prend des gringes, gade yo. Frères et sœurs, c'est important, oui. L'Éternel pas prend des gringes, gade yo. Eh bien, on met qu'on est que les langes d'exterminateur a passé la frappe yo. Non, il vient dans moment pour nous finir. C'est 36, 76, 58, 73, 41, 20, 74, 33. Que l'Éternel, le Dieu des armées, était à vous et orienté vers la direction la meilleure.